Merci, Monsieur le Président. Un billet paru en 2012 dans La Règle du jeu, revue du pseudo-philosophe Vatanguerre bien connu des Français Bernard-Henri Lévy, affirmait sans honte que les idées du Front National étaient celles appliquées au Soudan. Eh bien, permettez-moi d'être un brin provocatrice et de comparer l'actualité. Selon la presse, les autorités soudanaises ont arrêté 800 personnes en marge des récentes manifestations antigouvernementales. C'est moins que les 5000 gilets jaunes placés en garde à vue en France depuis le début de la contestation contre l'arrogance du président Macron. On compte selon les bilans entre 20 et 40 victimes décédées au Soudan. En France, les médias font état d'une centaine de blessés graves parmi les manifestants. La répression du ministre Castaner sait aussi être efficace. Si le Soudan applique la charia et persécute les chrétiens, en Europe, les islamistes ne cessent de gagner du terrain. Alors je m'étonne parfois, chers collègues, des leçons de morale. Il serait temps que le Parlement examine d'abord ce qui se passe sous son nez avant de s'occuper des droits de l'homme sur d'autres continents. Je vous remercie.